Hello les amis, on se retrouve sur Paladin dans le mode ranked. J'ai fait deux ranked pour l'instant ça s'est bien passé vu que j'ai gagné une game avec Ying et une game avec avec Rukus. On va prendre Ying une fois de plus, on a déjà Thorvald en tank ouais, je pense que je vais partir sur Ying. Voilà. Et on a un Makoa. Donc bah, écoutez, il faudra maintenant dégâts. Nous on va jouer Ying. On va jouer Ying et on va essayer de bien la jouer, de pas faire trop de bêtises, je ne vous promets rien. Le but va être de heal énormément Thorvald et Makoa qui seront bah, les deux tanks. Et nous on sera derrière à mettre nos petites illusions en face. Pour l'instant il n'y a pas de tank, il y a un healer et deux dégâts, Drogoz et Maiv. Maiv est plus un flanker qu'un dégât. Moi j'aime bien une compo de tank, un healer, un flanker, un dégât. On va voir ce que va être leur compo et la nôtre. Pour l'instant ça se tâte au niveau de l'ennemi 4. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il prend un deuxième healer, donc ils sont double heal. Et nous aussi, alors celle-là je m'y attendais pas. Bon après Pip c'est du dégât aussi. Mais le truc c'est qu'on n'a pas un tank à la Rukus qui peut faire des dégâts. Et on a un flanker, on n'a pas vraiment de dégâts. Notre compo est atypique, elle est pas facile. On va voir eux. Mais eux ils vont avoir du dégât et ils vont avoir un tank très probablement en dernier tirage. On va voir qu'ils vont décider de prendre. Un Rukus pour eux peut être la bonne affaire. Ou un Fernando peut-être, je sais pas. Bon, Fernando j'avoue que j'aime pas trop, je le fais pas. Ouais, un Rukus, alors là, ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué. Double heal. Je pense qu'on prendra du cautériser la carte pour empêcher le heal, mais ouais, pas simple là cette game. Bon, on a beaucoup de heal hein, nous aussi, deux tanks de healers. C'est limite la première fois que je vois ça. Donc c'est ma troisième ranked. Pour l'instant je suis à deux matchs de victoire, donc c'est plutôt cool. Pas dit que ça continue, on espère que ça va continuer comme ça sur ce chemin là. Bon, les deux compos sont intéressantes hein. La nôtre, j'ai peur qu'elle manque de dégâts. Je préfère la leur. Je préfère la leur, mais bon, on va voir. Est-ce que c'est les tanks qui sont plus forts que les healers ou les healers qui sont plus forts que les tanks, je sais pas. Ouais. Ça devrait être intéressant en tout cas. On va essayer de pas faire trop de bêtises. Après Ying, c'est pas le perso le plus dur à jouer. Hein. Il est sympa à jouer, mais il est pas trop difficile. On prend lequel? On en a deux sur trois chaînes. Soigner deux alliés simultanément, ça c'est bien. Voilà, j'avais acheté celle-là. Pour bah, surtout là. Et donc avec cette carte, voilà. Hop, ce deck. Et on prend Chronos. Et comme ça, on a nos illusions quand même qui reviennent. Hop, pour l'instant, toutes les 4-5 secondes, c'est ça. J'ai pas eu le temps de voir. 5 secondes. Hop. Ouais, toutes les 5 secondes, on peut mettre une illusion. C'est pas mal. Allez. Allez, on va se mettre donc derrière Thorvald et Makoa. Le Buck, il... oui, Cauterize, évidemment. Oui, évidemment, Cauterize, c'est cauterisé, c'est pour de l'anti-heal. Eux aussi vont en prendre. Il y en a déjà un de leur côté avec Drogoz. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, vite. Et boum, déjà une illusion partie. Où est notre deuxième tank? Makoa a décidé de flanquer. Makoa a décidé de flanquer, pourquoi pas. Alors là, il faut qu'il vienne, hein, il faut qu'il vienne aider. Parce que le pauvre Thorvald, il peut pas tanker pendant 3 heures. Surtout que le Pip ne donne pas de heal. Je sais pas où il est le Pip. Le Pip est où? Bon, on essaie de poser, voilà, hein, nos illusions dès qu'on peut. Et puis après, on balance des dégâts. On prend un kill sur le Maldamba. Il a réussi à envoyer le Rukus. C'est bien joué de la part du Mako adverse, mais il s'est fait tuer lui aussi. Attention, il part dans les airs. Il ne faut pas nous faire avoir et regarder que lui, pendant ce temps, ça nous arrive sur la gueule. Allez, on peut le tomber là. On peut le tomber, voilà, on prend de nouveau un kill sur Maldamba. Ah, l'ulti a... A Pip a été mis, nous on l'a que, on est qu'à 75. Ça se passe bien pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal les gars. Bien joué, on prend le premier point.
Donc tout va bien jusque là. Hop, pose une illusion là avant, au cas où. Donc moi je reste sur le point avec Thorvald. Je pense que c'est... est-ce que c'est le healer le plus fort, Ying? Healer, peut-être. Mais le truc c'est que tu fais très peu de dégâts, hein, faut savoir, avec une Ying, clairement. Hop. Attention, il y a l'ulti. On essaie de mettre l'ulti nous aussi. Pour, parce que l'ulti à Rukus, ça fait peur. Hein, les dégâts de cette bestiole. Allez. Ah, il a son bouclier, dommage. Et là, il a régénéré pas mal de PV. Bon, faut pas que j'aille non plus trop tanker. Hein. Je suis pas mort une seule fois, donc j'ai pas encore... Je sais pas d'où ça vient. Allez, je vais là. Aïe, aïe, aïe. Compliqué, compliqué. C'est derrière nous, il nous encercle. On a le bouclier de Thorvald pour essayer de tenir. Ouais, j'ai essayé d'aller un peu dans tous les sens, mais là... On a pris très cher. On va prendre cautérisé. Il faut empêcher ce heal. Havre. Non, pas Havre. Donc pour l'instant, rien d'autre. On va prendre juste ça et ça. Et on va essayer de monter ces deux cartes, je pense. Cautérisé et Chronos au plus haut. Qui sont, je pense, les deux cartes intéressantes. Allez. C'est bien, ils ont fait un kill. Ça vient d'en haut, bien joué. Et elle est morte très vite. Attention, l'ulti à Drogoz. Et il l'a raté, il a tué personne. Et il sera tué. Ah. Aïe, 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 aïe. On est dans la... Ah là, ça va être difficile. L'ulti à Maïve maintenant. On a 19 secondes. Faut réussir à revenir sur le point. Faut réussir à revenir sur le point, les gars. Après, je peux pas y aller comme ça. C'est difficile. Thorvald y va. J'ai posé une illusion, mais j'étais mort. Je pense qu'on va pas y arriver. Et ils vont revenir à 1-1 très probablement. On va prendre Chronos. Allez, vite. Ils arrivent à avoir un overtime, nos équipiers. Mais oh non, ils ont pas de mort et nous, on a plein de morts. Donc, c'est... fini. Dommage. Ça va revenir à 1-1. Ça se passe pas mal. Hein. C'est difficile de faire avancer le point. C'est toujours pareil. T'es quand même toujours très désolé. C'est toujours plus dur d'amener le point. Donc voilà, on a capturé l'objectif. Il faudrait réussir à le recapturer là pour mettre une bonne pression à l'adversaire. Nous on fait ce qu'on peut en heal. On est mort deux fois déjà. Hop, toutes les 4 secondes, vous voyez maintenant avec Chronos. Ah, donc c'est quand même intéressant. 4 secondes pour pouvoir à chaque fois mettre une illusion. T'en mets tout le temps une quasiment, quoi. Le temps qu'il la détruise et tu peux en remettre une. C'est assez intéressant. Voilà, bon. Après, Ying, voilà, vous avez vu, vous pouvez vous TP sur vos illusions. Hein. C'est le principe. J'ai mis l'ulti mais j'ai réussi à me TP ailleurs. Vite, faut du heal. Allez, le mal d'en bas là. C'est que c'est pas à nous de mettre du dégât. Bon, on a pris le kill sur Rukus. Hop, on prend le kill avec Rukus, avec Buck sur mal d'en bas. Et ça s'est bien passé, j'étais en mode... je savais pas trop comment réagir. Mais pour l'instant, ça va. Faut tenir le point. Aïe. Allez. Allez les gars. Ça, on gère pas trop mal pour l'instant. Et on a capturé l'objectif, c'est bien. Ah, est-ce qu'ils ont beaucoup de cautérisés? Oui, ils en ont déjà deux. Nous, on en a deux aussi. Donc, ça vient de où? Je ne sais pas. Ah, l'ulti à Thorvald, il essaie de balancer le Rukus. Oh, ça s'est joué à pas grand-chose. La Maïve qui nous contourne.
Allez, il met l'ulti, malheureusement, il n'y avait personne pour mettre les dégâts sur l'ulti à pipe. Donc quand ils sont transformés en petit poulet, l'ulti à Maldamba qui nous envoie là-bas. Je vais mettre l'ulti parce que je voyais pas bien, mais si... Pas envie que mes alliés meurent maintenant, hein, c'est un moment important. Et on a tué le Rukus adverse, c'est bien. Non, je me suis pris l'ulti à Drogoz qui, bah, c'est le principe, hein, il one shot. Que t'es 100% ou 1% de vie, il te 100% zéro. Mince, 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 on peut rien prendre côté risé, allez vite. Hop, et là le heal là, vous allez voir, il va en prendre un sacré coup quand on va toucher, parce qu'il prend. Regardez. Il est là. 60%. Faut attendre que nos équipiers arrivent, c'est pas, je peux pas y aller moi. Allez, faut réussir à y aller. Allez sur le point. Il faut qu'on y aille tous ensemble, hein, évidemment. C'est bien, il est tombé le Rukus adverse. Le mal d'en bas. Allez, allez les gars, courage, courage. Ça peut le faire, ça peut le faire, moi j'y crois. On essaie de mettre quelques dégâts, voilà. C'est cool, il y a le Makoa. On a du mal à faire avancer, on se retrouve bloqué à chaque fois là. On ne sait pas où il arrive. Aïe, aïe, on peut pas. C'est difficile hein, de faire avancer ce... point. Ce point est compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. On arrive à capturer, mais ouais, c'est difficile. On n'a pas assez de sous. 900 ou 1200. On va monter tout ça à fond de toute façon. Après, on pourrait augmenter d'autres choses, mais je trouve que le Havre il a été tellement nerf que ça vaut plus le coup souvent de prendre autre chose. Ouais, pas fan maintenant du Havre. Côté risé, on est deux à l'avoir fait, donc moi je l'ai rend 2 et Buck aussi la rend 2. Mako a de la destruction de bouclier, c'est bien. Lui il veut beaucoup utiliser son ulti, pip, pour transformer en poulet. Allez les gars, c'est parti. Courage. Malheureusement, je suis... arrivé en premier. L'ulti à Arucus qui a bien été géré. Voilà. Hop, on se TP ailleurs. Ah. Aïe aïe aïe. Ah, je peux rien faire. Et là ils ont pris le poids, ils sont bien débrouillés. C'est-à-dire que il y avait lui qui m'a mis une telle pression, Drogoz, que je pouvais pas heal mes alliés. Et j'étais pas avec mes alliés en fait, donc ils vont prendre le point, regardez, on a 96%. Ah c'est rageant, attention, allez vite, on essaie de mettre du heal sur Thorvald. Allez, c'est pas mal ça le poulet. L'ulti de Pip qui a fait un move intéressant là pour le coup. C'est bien, on s'est réveillé. Tout ça ensemble, après s'être fait avoir hein, sur un bon move de Drogoz qui, si tu tues les healers, après c'est compliqué pour les tanks. Et là, il a vraiment contourné tout ça. Et il s'est fait plaisir en nous tuant. Wow, on prend des dégâts. Bonjour. Je veux rester près de mes copains, mais encore l'ulti à... Ah, pip. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pris un kill là sur Rukus. Bon, que je prenne un kill ou pas, c'est pas très grave. On va peut-être capturer l'objectif et ça va être la balle de match si on arrive à capturer l'objectif. Mais bon, on sait à quel point c'est compliqué de capturer, enfin pas le capturer, d'amener cet objectif. Ils peuvent revenir à 3-3 et s'ils capturent pour la première fois l'objectif tout à l'heure, hein, c'est eux qui gagnent. C'est le côté un peu rageant et
qui permet au moins que les games sont, sont toujours tendus, jamais finis. Parfait, le Rukus. Attention, on va mettre l'ulti, nous aussi. Pour du heal de zone, hein, du heal pour tout le monde. Alors j'espère que c'est pas trop le bordel pour vous, que vous comprenez à peu près ce qui se passe. Après si vous connaissez Paladin, vous comprenez. Hein. C'est Overwatch, hein, c'est vraiment le même style. Est-ce que c'est pas sur derrière, j'en sais rien. Allez, et un ulti, deux Pip encore. Et grâce à ça, on prend le kill. Donc merci à Pip, attention. Il y a la Maïve qui nous embête derrière. Ça c'est un problème. On prend de nouveau un kill sur. Attention. On a eu des morts, on a eu des morts. Pas que je meurs. On n'est pas loin de pouvoir gagner la game sur ça, je pense là. Hein, mais pour l'instant, ça veut pas. On a une minute encore à y. Drogoz est là. Ouais, on recule là petit à petit, on n'y arrive pas. Difficile parce qu'en fait c'est vraiment sur leur point de spawn et c'est la map limite la plus difficile à amener le point, j'ai remarqué ça. Hop. Et on est venu, il venait nous chercher, on est parti de l'autre côté. Donc, il est derrière. Ah mince, ça me l'a fait l'ulti, je sais pas. J'ai voulu le mettre, j'ai appuyé sur eux, mais je sais pas si ça nous l'a validé. Allez. Vite, vite. Ouais, oh, ça nous a utilisé l'ulti, on est mort. C'est qui dit que son ulti est futile? Thorvald. Allez, allez, voilà. On a tué Drogoz, il va... Ouais, mais... Compliqué, mais on peut aller sur le point, là. Un ulti intéressant de Pip. On est obligé de rester là. Oh, la Maïf qui contourne bien. Elle nous a tué. Ah, je l'ai pas vu. Elle était invisible. Vous avez compris? Voilà, nous on a nos deux cartes. Quand vous voulez, au rang max. Qu'on va pouvoir regarder. On a. Ah, pourquoi elle s'affiche pas là? Ça m'inquiète, mais normalement j'ai cautérisé. Hein. Vous voyez, il est au rang max. Hein. Et cautérisé au rang max, on l'a donc. Et c'est les soins reçus de 90% dans une seconde et demie. C'est pas mal. Et Chronos, ça nous permet d'avoir une recharge de 30%. Donc c'est sympa. On va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il dit? Damn, need this one, please. Ouais, mais bon. Nous aussi, on aimerait bien gagner. La game est... Ils ont très bien défendu à chaque fois. Alors, ils ont gagné aucun point. C'est pour ça que ça foutrait... Ça mettrait les nerfs un peu de perdre cette game. Parce que là... Allez, c'est parti. Allez, c'est bon, ça tombe. Et il en a eu un, il a eu Thorvald, mais on le tue. Il s'est sacrifié pour la cause, le Thorvald. Bon, l'ulti à Drogoz, tu peux pas y faire grand chose de toute façon. Voilà. Allez, allez, faut tenir. Faut tenir, ils arrivent en masse. Moi, j'ai pas l'ulti, malheureusement, pour résister. Ça tombe les gars. Et on va peut-être gagner la game sur ça là. Voilà, on prend un kill sur le Drogoz. Et tout va bien, on a même l'ulti. Hein, s'il y a besoin de résister un peu, s'ils nous font une dernière charge, mais ils peuvent pas. Et on gagne pour... Si j'ai jamais ça. Youhou, on gagne pour la deuxième fois avec King. Troisième ranked et troisième victoire pour nous. Alors là, je suis surpris, mais c'est cool. Ça se passe bien. Le move de la game pour Thorvald. Thorvald, c'est des dégâts mais proches. Mais si les mecs se mettent proches, ouais, tu te fais plaisir avec Thorvald. Qui est quand même très sympa à jouer. Voilà, écoutez. Nous, on s'est bien amusé. Faut que je progresse encore. Hein, mais c'est vrai que ouais, avec King, je commence à la maîtriser à peu près correctement.
Bah, on est le top soutien, on est le meilleur healer. Alors ça fait plaisir. Top tank et top dégâts. Regardez les stats tranquillement. 149 000 de soins. Le pip n'a fait que trop peu de soins. Hein, 20 000. Mais on a fait tellement de soins que ça rattrape le fait qu'ils avaient deux healers moyens. C'est vrai que pip n'a pas été assez orienté pour moi. Soins. Il a été orienté ulti. Après, son ulti a servi à de nombreuses reprises. Et regardez tous les dégâts qu'il a fait. 140 000. Nous, on a fait que 52 000. Avec King, c'est plutôt normal de faire que ça en dégâts. Mais voilà. En tout cas, je me suis bien amusé. J'espère que ça vous aura plu. Une victoire pour Geekman avec King. Merci à vous d'avoir regardé. Et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.